Que s'est-il réellement passé à Nanterre quand Naël, 17 ans, a été tué par un policier mardi matin? On a disséqué toutes les images de l'événement pour le comprendre. Les policiers affirment qu'ils étaient en danger et que la voiture leur fonçait dessus. Mais les images, elles, racontent une autre histoire. Il est 8h18 ce mardi matin, passage François Arago, près de la station de RER Nanterre Préfecture. Sur cette vidéo, prise par celle qu'on va appeler Témoin 1 et authentifiée par l'AFP et Libération, on assiste à ce qui semble être un contrôle routier. Deux motards de la police, casqués, se tiennent à côté d'une Mercedes AMG jaune, côté conducteur. On ne sait pas ce qui a conduit à ce contrôle, ni comment Naël s'est retrouvé au volant de ce véhicule. Leurs motos, gyrophares allumés, sont stationnées juste derrière la voiture, comme on le voit sur cette autre vidéo, prise de derrière. Les policiers seraient membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine. À ce moment-là, la voiture est à l'arrêt. L'un des agents est penché à la fenêtre et l'autre est à gauche du capot, son arme tenue à deux mains. Et voici ce qu'on entend. Un premier policier menace le conducteur. Et le second policier. Clairement, à ce moment-là, le véhicule ne menace pas les policiers. Leurs propos, eux, indiquent l'intention de tuer. Voici une deuxième vidéo, avec un autre angle. On est dans le véhicule qui précède l'AMG jaune. Témoin 2 filme via le rétroviseur. Témoin. On entend les policiers crier sans pouvoir comprendre ce qu'ils disent, puis on voit un des deux policiers frapper violemment sur le capot de la voiture. Cet angle confirme à nouveau que la version des policiers ne tient pas. Retour sur la vidéo Témoin 1. On voit la voiture qui démarre, les deux agents qui s'en écartent, et en moins d'une seconde, le policier proche du capot tire sur le conducteur. La voiture continue d'avancer, puis la caméra revient sur les deux agents qui semblent se diriger vers leur moto. La vidéo du témoin 1 s'arrête et reprend quelques secondes plus tard sur le lieu où l'AMG a fini sa course, quelques dizaines de mètres plus loin. Il est rentré ? Oh putain ! Oh putain ! La vidéo témoin 1 montre la voiture jaune encastrée dans un poteau sur la place Nelson Mandela, comme on le voit sur ces images. Chaud ! Ils ont tiré, wesh ! Voici une nouvelle vidéo, appelons-la témoin 3. On voit un policier arriver en moto au niveau de la voiture accidentée. Un passager sort de l'arrière du véhicule, avance vers le policier et met les mains en l'air. À ce moment, le policier le fait violemment tomber au sol en lui faisant une balayette pendant que le deuxième agent le rejoint. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux. Sur la vidéo témoin 4, on voit un pompier en train de pratiquer un massage cardiaque à Naël. Mais il est trop tard, son décès est constaté à 9h15 suite à au moins une blessure par arme à feu, indiquent les secours. Des habitants s'ameutent rapidement autour de la scène. D'autres policiers sont présents pour sécuriser les lieux. Une femme prend à partie certains d'entre eux. Voici ce qu'on peut entendre. Et à ce moment, un policier lui répond. Le corps de Naël est ensuite transporté à l'hôpital. Un ambulancier s'emporte contre les policiers présents. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant ? Tu vois qu'il a une gueule d'enfant ? Pour un défaut de permis ! Pour un défaut de permis, frère ! Moi, c'est mes collègues qui étaient là ! Je le connais, petit, je l'ai vu grandir ! Après la mort de Naël, une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une autre enquête, cette fois pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à l'IGPN. Le policier soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, a été placé en garde à vue mardi soir. Deux plaintes vont être déposées dans les prochains jours par l'avocat de la famille de la victime. Une qui visera l'auteur du tir pour homicide volontaire et son collègue pour complicité. Une autre plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l'encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo. Deux autres personnes se trouvaient dans le véhicule au moment des faits. Un premier passager qui a pris la fuite et un second, également mineur, qui a été arrêté et mis à terre avec une balayette, comme on l'a vu plus tôt. Placé en garde à vue, il a pu ressortir libre quelques heures après.